L'appel de l'eau, l'appel du kayak. Trois options de kayak pour toi aujourd'hui pour aller profiter des plans d'eau du Québec en kayak. Trois modèles qui sont chez Pèlerin. Ça, c'est le Rio 100. Donc, un kayak récréatif, mais aussi avec un petit plus pour la pêche. On va regarder ça. Kayak qu'on dit roto-moulé, donc un moule avec des granules de plastique qui donne une bonne qualité de plastique résistant, solide. Si on regarde les accessoires, bon, les cale-pieds, bien sûr, les cale-cuisses, on a un bon banc confortable aussi. Le compartiment étanche, ça va prendre ça. Alors, le compartiment ici à l'arrière et un bouchon pour la purge. Vous avez besoin de vider le kayak, bien, il y a un petit bouchon sur le côté, donc super pratique pour ça. Vous avez envie de joindre l'utile à l'agréable, bien ici, il y a un petit support pour mettre votre canne à pêche. Alors, c'est le moment, après ça, d'aller capturer votre prise du jour. Pour pagayer plus longtemps, pour faire des sorties sur l'eau plus longues, pourquoi pas le Fusion 120, toujours chez Pèlerin, kayak de 12 pieds qui va bien filer sur l'eau, roto-moulé aussi celui-là. Les cale-pieds, les cale-cuisses, tout ça bien sûr, un bon banc. Un petit plus aussi là-dessus, deux compartiments, parce que vous faites une plus longue sortie, vous allez en camping, en expédition, plus de matériel à traîner, donc pas un, mais bien deux compartiments étanches, ça c'est super. Bien sûr, le bouchon sur le côté pour le vider de son eau et aussi, question de garder son cap, ça vient aussi avec une dérive. Kayak gonflable maintenant, super idée, super option, surtout si tu n'as pas beaucoup d'espace de rangement ou tu veux que ce soit facile à transporter. Il y en a d'excellents sur le marché actuellement, dont celui-ci qui est une nouveauté chez La Tulipe, le Pèlerin Canyon 1 ou 2, donc 5 ou dans sa version double. Kayak qui est en PVC, donc il a une bonne rigidité. On aime ce kayak-là parce qu'il est stable, il est sécuritaire, il est performant. Kayak qui va se gonfler en trois compartiments. Et ça vient avec quoi? Deux sièges qui sont ajustables. Déjà, ça, c'est super pratique. On a aussi fourni là-dedans le sac de transport, le kit de réparation, la pompe manuelle. Vient aussi avec une pagaie en quatre sections. Donc, une fois qu'on la range, ça prend vraiment pas d'espace, c'est compact. Et aussi, on a deux dérives qui vont aider à garder le cap. C'est un bon kayak récréatif, c'est parfait. Mais c'est aussi une excellente option pour la pêche. Et c'est là où ça m'en rejoint encore plus. Parce qu'on pourrait installer tout plein de petits accessoires pour aller pêcher durant notre sortie sur l'eau. Regarde ça ici, il y a même la règle déjà qui est là pour mesurer tes poissons. C'est pas formidable ça? Donc moi, je suis partie pour l'été, on se repart cet automne. D'ici là, ben soyez prudents.